Johnny Hallyday, Jeanne Moreau, Jean Rochefort. Ils nous ont quittés en 2017. L'année 2017 a été marquée par la disparition de plusieurs icônes, inclassables et presque magiques, comme la moustache de Jean Rochefort qui, dès qu'elle apparaissait dans le cadre, vous décrochait un sourire dans la seconde, mais aussi sublime et centenaire comme Daniel Darieux, la mère des demoiselles de Rochefort. Truculente et intenable comme Jerry Lewis, mythique et engagée comme Mireille Darc, immortelle comme Jeanne Moreau qui ne croyait pas en la mort, ou tout simplement monumentale comme Johnny Hallyday. En apprenant la disparition de Johnny, après 14 mois de lutte contre le cancer, la France a reçu un uppercut en plein vol. Comment s'y préparer? Comme tous ses proches, nous pensions qu'il serait là pour toujours. La chanson française a perdu bien des talents, cette année comme Franck Thomas qui fut parolier de Claude François, Maurice Vendée, compositeur et pianiste de Claude Nougaro, l'emblématique impresario Charles Marouani, twisto du groupe El Mephobea et Jean-Michel Béria. Auteur de tubes des années 1980 comme Eve, Lève-toi et boule de flipper. La jeune chanteuse Barbara Guelban est morte électrocutée sur scène, et un autre jeune tal, Simon Carpentier, moitié du duo, est mort d'un cancer à 27 ans. En décembre, Catherine Ringer a célébré sur scène les 10 ans de la disparition de Fred Chichin, son partenaire à la vie comme elle la scène au sein des Rita Mitsouko. La musique électro-acoustique, qui a en partie inspiré les musiques électroniques, a perdu l'un de ses pères, le compositeur Pierre-Henri. Ailleurs dans le monde, on a pleuré la chanteuse brésilienne Loelwa Braz, qui chantait la lambada et a été retrouvée morte dans sa voiture carbonisée, mais aussi Butch Cruz, batteur, et Greg Allemand, qui fut le mari de Cher, de Delmont Droté. Le légendaire Al Jarreau, Johnny Sledge, chanteuse du quatuor féminin Sister Sledge, le tube We Are Family, Toby Smith, premier clavier du groupe Jamiroquai, Kevin Garcia, bassiste de Grand Daddy, le rappeur Prodigy, membre fondateur de Mobb Deep, John Blackwell Jr. Batteur de Prince durant 12 années, les précurseurs du rock'n'roll Fa Domino et Chuck Berry, Walter Beck et du duo jazz rock Steely Dan, Chuck Mosley, chanteur des deux premiers albums de Faith No More, et le jeune rappeur Lil Peay, mort d'une overdose à 21 ans, nous ont également quittés. Chris Cornell, le chanteur de Soundgarden, et Chester Bennington, voix du groupe Linkin Park, se sont tous les deux suicidés. Ils avaient respectivement 52 ans et 41 ans. Notons enfin la douleur des fans d'AC/DC, très touchés par la disparition de George Young, mentor du groupe, et son jeune frère Malcolm Young, guitariste de la formation australo-britannique. Si Daniel Derreux nous a quitté tout juste centenaire, Gisèle Casadesus avait 103 ans et était la doyenne des comédiennes françaises. L'immense Emmanuel Riva d'Hiroshima, mon amour est mort en janvier à 89 ans. Le grand et le petit écran regrettent déjà la douce voix de Claude Rich, l'actrice Éléonore Hir qui fut aussi la première épouse de Michel Piccoli, les populaires Victor Lannou et Jean-Marc Thibault, la figure du théâtre lyonnais Isabelle Sadoyan, le comédien Robert Hirsch, lauréat de 6 Molières et un César. Le cinéaste Alain Gessu a primé à Cannes et Venise, l'acteur Jacques Penaud, le cinéaste Manuel Pradal, le comédien Jean-Claude Bouillon, les Brigades du Tigre, le réalisateur Alain Berberian, le culte La Cité de la Peur avec les Nuls, Édouard Vallette des Mystères de l'Amour, et enfin la productrice Michèle de Broca. La famille Gainsbourg-Pleur Roger Mort, qui a interprété le célèbre agent secret dans 7 de ses aventures, ainsi que 2 de ses Bond Girls, Molly Pettée, Opération Tonnerre, et Karine Dor, On ne vit que deux fois. Ailleurs dans le monde du cinéma, on pense au comédien Alan Currie, Gandhi, La Cité de la Joie, à John Hurt, et le fondant, Midnight Express, à Bill Paxton, Titanic, au réalisateur italien et ancien compagnon de Claudia Cardinal, Pascal Schizzeri, à la star allemande Christine Hoffmann, ex-femme de Tony Curtis, à Darren Cat, Gilbert Graff, à l'humoriste Don Rickle, Monsieur Pata dans Toy Story.
Au réalisateur Jonathan Demme, Le Silence des Agneaux, à l'ex-enfant star de Disney Mikael Mantenuto, à la star suédoise Mikaela Nyqvist, la saga Millennium, à l'italienne Elsa Martinelli, au réalisateur culte George A. Romero, La Nuit des Morts Vivants, et Tobopé, Massacre à la tronçonneuse, à l'immense Martin Landau. À Sonny Lanham, Predator, à Yvan Elnut, de Villainside. À Johnéa, le père dont maman j'ai raté l'avion, et à Sam Shepard, ancien compagnon de Jessica Lange, qui fut au générique de très grands films comme Les Moissons du Ciel, Les Top des Héros et Un été à Osage County. Les fans de la saga Harry Potter ont appris avec tristesse la disparition de Robert Hardy, qui incarnait le ministre de la magie, Cornelius Fudge. Côté petit écran, alors que TWNPA a fait son grand retour cette année, de nombreux acteurs de la série originale sont décédés cette année 2017 comme Miguel Ferré, par ailleurs cousin de George Clooney, Oren Frost, dont le fils Mark a créé la série avec David Lynch, Bram Briscoe et enfin Michael Park, qui fut aussi l'un des acteurs fétiches de Quentin Tarantino.